Dieu, c'est le Dieu de miracles. God is a God of miracles. C'est pour ça qu'il veut amener son règne ici-bas. He wants to bring his kingdom down here. Il ne veut plus de cancer. He doesn't want any more cancer. Il veut plus de souffrance. No more suffering. Bonjour et bienvenue à l'émission Réveil. On est très content que vous soyez avec nous aujourd'hui. Et aujourd'hui, on a une émission spéciale parce que vous savez, c'est le temps des fêtes qui approche rapidement. Et on va faire une émission spéciale sur Noël. Et puis, ça représente quoi Noël? Mais juste avant de passer au sanctuaire pour entendre le message que Pasteur Jean a à nous donner ce matin ou cet après-midi ou peut-être dans la soirée, peu importe où vous êtes, je vais vous lire quelques statistiques. Par année, en moyenne, les gens dépensent 550 millions de dollars dans des téléviseurs et de l'équipement audio-vidéo. Wow, c'est de l'argent, ça! 435 millions pour des jouets, des jeux électroniques, vidéos, peu importe. Ça, c'est au Canada, les statistiques. Et 379 millions de dollars dans les ordinateurs et des logiciels informatiques. 138 millions de dollars dans les montres, des bijoux, des colliers, toutes ces choses. Et 52 millions de dollars en moyenne par année dans les arbres de Noël. Vous savez, ça prend 15 ans à pousser un arbre de Noël afin qu'il soit prêt pour la vente. Tout dépendant de la taille de l'arbre, mais en moyenne, ça prend 15 ans. Ça, c'est du temps. Et puis, 48 000 heures d'émissions de Noël. Alors, 90 % n'ont aucun message chrétien. 7 % ont des thèmes religieux et 3 % parlent de Jésus. Merci, on fait partie des 3 % et aujourd'hui, on veut vous parler du beau nom de Jésus parce que c'est le plus beau nom. Alors, allons directement au Centre Réveil. Maintenant, nous allons entendre le message du pasteur Jean. J'ai choisi un beau verset. It shows a nice verse. Dans Ésaïe chapitre 9 au verset 5. Isaiah 9, 5. Car un enfant nous est né. For unto us a child is born, un fils nous est donné, a son is given, et la domination reposera sur son épaule, and the government shall be upon his shoulder. On l'appellera admirable, his name shall be called wonderful, conseiller, counselor, Dieu puissant, mighty God, Père éternel, everlasting Father, prince de la paix, the prince of peace. Vous savez, 2000 ans passés, 2000 years ago, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, the king of kings and the lord of lords, a décidé que ça allait trop mal sur la terre sans lui. Decided that it was too awful on this earth without him. Et c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus 2000 ans passés. That's why he sent Jesus, his son, 2000 years ago. Et c'est pour ça que la Bible nous dit un fils nous est donné. A son is given. Un fils, c'est un cadeau de Dieu. A son is a gift of God. C'est un cadeau d'amour qu'il a envoyé à ce monde. It's a gift of love that he sent to this world. Où ce qui manquait d'amour. Where there was missing love. Si vous n'avez jamais goûté à ce cadeau d'amour, if you have never tasted this gift of love, je vous invite aujourd'hui, I invite you today, dans cette célébration de Noël, in this celebration of Christmas, à donner votre cœur à Jésus. To give your full heart to Jesus. Car Dieu a tant aimé le monde. For God so loved the world. Qu'il a donné son fils unique. That he gave his only begotten son. Et c'est le plus beau cadeau d'amour. And it's the nicest gift of love. Quand Jésus est venu dans mon cœur. When Jesus came into my heart. Il m'a donné un amour véritable. He gave me a real love. Pour mes parents. For my parents. Pour mes ennemis. For my enemies. Pour tout le monde. For everyone. C'est pour ça le plus beau cadeau que vous ne pouvez pas avoir. So the best gift that you can have, c'est Jésus dans votre cœur. Jesus in your heart. C'est pour ça 1 Jean 3:1 nous dit. 1 John 3:1 says this. Voyez quel amour. See.
Behold, what manner of love que le Père nous a témoigné the Father has bestowed upon us pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. That we should be called the sons of God. Un cadeau nous est donné. A gift is given to us. Et c'est pour ça que je vous invite aujourd'hui. That's why I invite you today. Vous n'êtes pas obligé de gagner votre ciel. You don't have to win your heaven. C'est le ciel qui est venu jusqu'à nous. Heaven has come down to us. Parce que Dieu nous aimait. Because God loved us. Il voulait toucher notre cœur. He wanted to touch our hearts. Parce qu'il voyait que le monde était perdu. Because he saw that the world was lost. Sans lui, Without le monde him, est perdu. The world is lost. Ça nous dit, et la domination reposera sur son épaule. And the authority will rest on his shoulders. Dans l'hébreu, ça veut dire domination. In Hebrew, it means c'est le règne de Dieu. It's the reign of God. Le gouvernement. The government. Parfois, nos gouvernements font pas toujours ce qui est bien à faire. Sometimes our government do not always do what is right. Mais le gouvernement de Dieu, But God's government, il y a la justice. There's righteousness. Il y a l'amour. There's love. Et c'est pour cette raison, And that's why, j'aimerais vous encourager ce matin comme pasteur. To encourage you this morning as pastor. Je sais que ça va mal dans ce monde. I know it's not going well in this world. Je ne veux pas vous décourager, mais ça va aller de pire en pire. I don't want to discourage you, but it's going to go worse to worst. Parce que l'homme sans Dieu, Because man without God, surtout sans Jésus, qui est le seul chemin qui nous amène especially au Père, without Jesus, that's the only way to God, on n'a pas cet amour de Dieu. We don't have this love of God. L'homme n'est pas capable de s'aimer. Man is not able to love. C'est pour ça qu'ils s'entretuent. That's why they kill each other. C'est pour ça j'aimerais vous encourager ce matin. I want to encourage you this morning. Dieu nous promet une nouvelle terre God et des nouveaux cieux. A new earth and new heavens. L'homme qui a voulu diriger sans Dieu God that wanted to direct this world without God, a pollué la terre au complet. Polluted this earth completely. Et c'est pour cette raison that is why, qu'il y a des catastrophes qui se produisent partout, des tremblements de terre. There's earthquakes and catastrophes everywhere. C'est pour ça l'encouragement que je veux vous dire ce matin. The encouragement I want to leave with you this morning. Dieu est un vrai papa. God is a real daddy. Il nous a promis une nouvelle terre. He promised us a new earth. Où il n'y aura plus de maladies. Without any more sicknesses. Où il n'y aura plus de souffrance. No suffering. Où plus personne va mourir. Where nobody's gonna die anymore. Moi, j'ai perdu mon père et ma mère. I lost my father and my mother already. C'est pour ça, frères et sœurs, du temps qu'on est vivant. That's why brothers and sisters, while we're alive, du passage qu'on est ici-bas. We just have a passage of time. Aimons-nous les uns les autres. Let's love each other. C'est pour ça dans l'Apocalypse 21, Apocalypse, Revelation 21, au verset 1, verses 1, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. And I saw a new heaven and a new earth. Quand le premier ciel et la première terre avaient disparu. For the first heaven and the first earth were passed away. Et la mer n'était plus. And there was no more sea. Et je vis descendre du ciel. And I saw coming down from heaven. D'auprès de Dieu. From God. La ville sainte. The holy city. La nouvelle Jérusalem. The new Jerusalem. Préparée comme une épouse. Prepared as a bride. Qui s'est parée pour son époux. Adorned for her husband. J'entendis du trône une forte voix qui disait. And I heard a great voice out of heaven saying. Voici le tabernacle de Dieu. Behold, the tabernacle of God avec les hommes. Is with men. Il habitera avec eux. And he will dwell with them. Ils seront son peuple. And they shall be his people. Et Dieu lui-même sera avec eux. And God himself shall be with them. On va l'appeler admirable. And we're going to call him wonderful. Et dans l'hébreu, ça veut dire merveilleux. In the Hebrew, it says wonderful. Celui qui guérit. The one that heals. Jésus est venu pour nous guérir. Jesus came to heal us. C'est pour ça, même mardi soir, on va prier avec tous les malades. Even Tuesday night, we will pray for every people that are sick.
Dieu, c'est le Dieu de miracles. God is a God of miracles. C'est pour ça qu'il veut amener son règne ici-bas. He wants to bring his kingdom down here. Il ne veut plus de cancer. He doesn't want any more cancer. Il veut plus de souffrance. No more suffering. C'est pour cette raison That's why qu'on doit l'accueillir. That we need to greet him. Comme le gouvernement céleste. As the government of the heavens. C'est pour ça, dans Luc 9, 2, ça nous dit, In Luke 9, 2, it says, il les envoya prêcher le royaume de Dieu and he sent them to preach the kingdom of God et guérir les malades. And to heal the sick. Je veux vous dire que Jésus est ici. God is, Jesus is here this morning. Il veut guérir les malades. He wants to heal the sick. Il veut faire du bien aux gens. He wants to do good to people. Il y a quelqu'un ici dans cette salle There's someone here qui in this souffre d'arthrite room et d'arthrose. That has arthritis. Vous allez voir, ça va disparaître. You'll see that it's going to go. Parce que Jésus que je prêche Because Jesus that I preach est vivant. Is alive. Est vivant. Is alive. Amen. Il y a quelqu'un qui a eu... Il y a des résonances dans la tête qui sont presque continuelles. There's someone here that with resonance in their head that are continual. Jésus prend cela. Jesus will take that away. Il prend ces mots. It takes this suffering. Il les a pris sur lui il y a 2000 ans. He took it 2000 years ago on him. C'est le Dieu admirable qu'on sert. Admirable. On dit qu'il est conseiller. He's a counselor. On a besoin de conseils. We need counseling. J'ai mon ingénieur qui est ici, qui est après nous conseiller pour l'agrandissement des bâtiments. I have my engineer here that's counseling us for to make this place bigger. C'est pas méchant des conseils. It's good counseling. C'est un vrai conseiller, Dieu. God is a real counselor. Depuis je lui ai donné ma vie. Since I gave him my life. Et Dieu connaît la fin aussi de ma vie. And God knows the ending of my life. J'ai besoin de conseils. I need counsel. Du moment où je suis né, the minute I was born, le 18 juillet 50, 18th of July 1950, et Dieu connaît ma fin. God knows my end. Dieu connaît la date exacte où je vais partir d'ici. God knows the exact date I'm going to leave here. Mais j'ai besoin de conseils. But I need counseling. Le président Woodrow Wilson a dit. President Woodrow Wilson said. nous ne devrions pas seulement utiliser tout le cerveau que nous avons. We shouldn't use only the brain that we have. Mais emprunter tous ceux que nous pouvons. But borrow the ones that we can borrow. Un autre monsieur qui s'appelle John Gagan a dit John Gagan said, il y a une plaque sur son pupitre qui dit on his desk that says, si je devais tout recommencer if I would have to start over again, j'irais chercher de l'aide. I would go and get some help. Je vous dis, le meilleur conseiller que j'ai the best counselor that I have, c'est Jésus. It's Jesus. Et je vous dis qu'il me fait rencontrer des gens sur la route. He has me meet people on my road. Qui m'amène à un autre niveau. That brings me to another level. C'est le Dieu puissant que la Bible dit. It's a God that's powerful. Dieu est fort. God is strong. Le mot hébreu veut dire champion. The Hebrew word says champion. Avez-vous besoin d'un champion? Do you need a champion? Les gens n'aiment pas regarder les gens qui réussissent pas. People Êtes-vous don't d'accord like to avec see moi? People that don't succeed. On aime les héros. We like heroes. Je demandais à mon fils hier. I was asking my son yesterday. J'ai dit, c'était qui ton héros quand tu étais jeune Who à la télévision? Who was your hero when you were small and on TV? Il dit, c'est toi, papa. Non, he non, says, non, c'est you, pas Dad. Ça qu'il a dit. No, no, no. Il dit Spider-Man. He said Spider-Man. C'était son héros. Pourquoi? That was his hero. Why? L'homme, on a besoin d'un héros. Men need heroes. Ceux qui jouent au basketball. The one who play basketball. Michael Jordan. Michael Jordan. Michael Jordan, c'était un modèle pour ceux qui jouent au basket. He was a model for those that play basketball. C'est George Benson qui jouait de la bass aussi. George Benson, I was playing bass, a jazz player. Non, bass. Bass? Bass ou guitare? Guitare, oh. Yeah! C'est un modèle pour certains musiciens. It's a model for musicians. Joe Pass. Joe Pass.
On a besoin de modèles. We need models. Moi, mon modèle, quand j'étais jeune, my model when I was young, c'était « Je suis Popeye, le vrai marin. Popeye, Popeye. Je mange mes épinards, je suis le plus fort. Je suis Popeye, le vrai marin. Pip, pip. » C'était mon modèle à moi. It was my model. I was born in 1950. Louise, ça, j'ai pas dit cela. Ceux qui jouent au hockey, Wayne Gretzky, vrai ou faux? The ones that play hockey, Wayne Gretzky. Les sénateurs d'Ottawa. Ah, Ottawa Senators, yay! Oh, j'ai pas des A et des trop. OK, on commence pas de guerre à matin. No war this morning, please. Mais on a besoin d'un modèle. We need models. Je regarde Nicholas qui dirige l'orchestre ici. I'm looking at Mike. C'est un bon modèle pour ces jeunes-là. Nicholas. Oh, wow. Est-ce que vous me suivez? J'aime mieux les voir dans l'orchestre. I want to see amen, these young amen, à faire quelque chose de bien avec do leur vie. Something good with their lives. Yes. Mais on a besoin, mais au-dessus de Nicholas, but on top of Nicholas, de Michael Jordan, on top of Michael Jordan, il y a le Dieu puissant qui est capable de dunker comme il veut. There's a mighty God that can dunk as he wants. C'est le Dieu tout puissant qui est plus grand que Popeye. It's a powerful God, more powerful than plus Popeye. Grand que Spider-Man. More than Spider-Man. Que Superman. That's Superman. Que Batman. The Batman. C'est le Dieu puissant. It's a powerful God. C'est lui qui est au-dessus de tout. He's on top of everything. C'est pour ça que tu ne peux pas faire ta vie sans lui. You cannot live your life without tu ne peux pas avoir du succès sans lui. No success without him. Quand tu as Dieu, when you have God, il va t'amener à ton plein potentiel. He's going to bring you to your full potential. Parce que quand tu fais Jésus le Seigneur de ta vie, when Jesus is the Lord of your life, il va t'amener à ton plein potentiel. He's going to bring you to your full potential. Vous avez du potentiel. You have potential in vous avez you. Du potentiel en vous. Potential in you. Pour beaucoup plus encore. For more. Pour beaucoup plus encore. For more. Il dit Père éternel. Father, eternal Father. C'est un papa pour l'éternité. It's a father for eternity. Mon papa n'est plus ici sur la terre. My father is not here anymore on the earth. Mais j'ai découvert un papa. But I discovered a father avec Dieu, with God, qui m'a jamais abandonné. That never let me down. Le jour où je lui ai donné toute ma vie, the day I gave him all my life, ça fait déjà 39 ans. It's been 39 years déjà. J'étais un musicien dans les nightclubs. Louise. I was a nightclub musician. I know. I remember. Père éternel. Eternal Father. Prince de la paix. Prince of peace. Prince veut dire ici le chef. It needs here a chief. Leader. The leader. Le capitaine. The captain. Je vous dis que si ce matin, I tell you that if this morning, vous faites Jésus le leader, le numéro un dans votre vie, you make Jesus the number one, the leader of your life, il va vous amener des endroits, he will bring you to que vous ne penseriez places. Pas. He'll bring you places yes. where you were not thinking to go. Thank you. Thank you. Il m'a amené devant des présidents dans ce monde. He brought me in front of presidents in this world. Devant les grands de ce monde. Before the great ones of this world. Et je veux lui donner toute la gloire. And I want to give him all the glory. Parce que c'est mon leader. Because it's my leader. Il me lead. He leads me. Dans une place de paix. In a place of peace. Shalom. Shalom. Qui veut dire? Which means? Être complet. To be complete. Secure. Secure. En santé. In good health. Prospère. Prosperous. Dans la tranquillité. In the tranquility. L'amitié. In the friendship. C'est mon ami, ma femme. She's my friend, my wife. Dieu te donne la paix. God gives you peace. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi les gens
I don't understand why people ne reçoivent pas Jésus avant dans leur vie. They don't receive Jesus before in their lives. Dieu a des plans de bonheur pour vous. God has plans of peace. Et non de malheur. He has projects of love and not of curse, of blessings. Ésaïe 54:10 en terminant. Isaiah 54:10 nous dit quand les montagnes s'éloigneraient. For the mountains shall depart. Quand les collines chancelleraient, and the hills be removed, mon amour ne s'éloignera point de toi. But my kindness shall not depart from thee, et mon alliance de paix ne chancellera point. Neither shall the covenant of my peace be removed, dit l'Éternel qui a compassion de toi. Says the Lord that has mercy on thee. C'est pour ça, dans ce temps des fêtes, in this time of the Christmas, tu ne peux pas répandre la paix. You cannot give peace si tu n'as pas accepté le prince de la paix. If you have not accepted the prince of peace. C'est pour ça que je t'invite ce matin. I invite you this morning. Vous n'êtes pas ici par accident. You're not here by accident. Dieu voulait God wanted vous voir ici you to be here afin que vous puissiez le recevoir. So you could receive him. Ce plus beau cadeau venant de Dieu. This beautiful gift coming from God. Le recevoir dans votre cœur. Receive him in your heart. Matthieu 5, 9. Matthew 5, verse 9. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix. Blessed are the peacemakers. Car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. For they shall be called the children of God. Je suis un peacemaker. I am a peacemaker. La vraie paix. The real peace. Qui vient de Dieu. That comes from God. Tu ne peux pas avoir la paix. You cannot have peace. Sans, vous savez, on était dans un des plus beaux resorts la semaine passée. On doit l'avouer, Louis. We were in a very, very high-class resort last week. C'était le plus beau que j'ai été dans ma vie. It's been the nicest one in all my life. J'avais pas payé pour la plus belle des chambres. I didn't pay for the most beautiful room. Mais on nous a donné la plus belle suite qu'il n'y avait pas dans l'hôtel. The master suite in the hotel. Et je peux m'imaginer comment, qu'est-ce que Dieu m'a préparé. What God has prepared for us. Sur la mer de cristal. On the crystal sea. J'ai réclamé mon condo. I claimed my condo already. Et je veux vous encourager I aujourd'hui. Want to encourage you today. Dieu a une place pour toi. God has a place for you. Il frappe à la porte de ton cœur aujourd'hui. He's knocking on the door of your heart today. Si tu veux lui demander de venir, if you want to ask him to come in, il forcera pas de venir. He will not force the door. Mais il t'offre ce beau cadeau. He offers you this gift this morning. Ceux qui veulent recevoir Jésus ce matin, the ones who want to receive Jesus this morning, comme cadeau dans leur cœur, as a gift gênez-vous in your pas. Heart, don't be shy. Voulez-vous prier avec moi ce you cadeau? Want to pray with me this morning? Fermez les yeux. Just close your eyes. Et dites Seigneur Jésus. And say Jesus, Lord Jesus. Viens dans mon cœur. Come into my heart. Prends toute la place Take dans ma vie. All the place in my life. Pardonne tous mes péchés. Forgive me for all my sins. Je t'accueille comme Seigneur. I accept you as Lord. Et Sauveur. And Savior. Wow! Si vous avez fait cette prière, je vous encourage à écrire au Centre Réveil International à l'adresse courriel qui passe au bas de l'écran ou même téléphonez-nous. On veut entendre de vos nouvelles. Si vous avez donné votre vie à Jésus, c'est un nouveau départ. Alors, je vous dis, c'est la joie qui est rentrée dans votre vie. Parce que lorsque Jésus est venu, il nous a donné la vie et la vie éternelle. Il y a un passage qui me touche bien. Lors du temps de ces fêtes, on doit regarder à Jésus, on doit voir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis dans Matthieu 2, au verset 9 à 10, ça nous dit « Après avoir entendu le roi, ils partirent et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Et quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. » Ici, on parle des princes du Moyen-Orient à l'époque Babylone, qui est présentement Irak actuel. Et puis, c'était des gens de grande importance. C'était des princes.
Alors, lorsqu'il s'est dit « ils furent saisis », ici, ils sont devenus heureux. Ils ont été saisis, ont une réjouissance, une prospérité. Il y a quelque chose qui est venu sur eux à cause de Jésus-Christ qui était né. Alors, ils n'ont pas pu passer. Ils ont dit « il faut aller bénir cet enfant, il faut aller lui donner, lui rendre hommage ». Et c'est ce qu'ils ont fait. Et aujourd'hui, on peut faire la même chose. On peut rendre hommage à Jésus durant ce temps des fêtes. C'est vraiment lui qui va nous donner une joie réelle. Rien dans ce monde ne peut nous donner cette joie. Et j'ai 5 choses rapidement à vous partager qui vont vous donner la joie. Première chose, on doit tourner nos regards vers lui. Tournons ensemble nos regards durant ce temps des fêtes vers lui. N'oublions pas Jésus. Dans Psaume 34, 5, ça nous dit « quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Notre visage, l'éclat de notre visage, on est rempli de joie. » Deuxièmement, il nous donne la supériorité par sa présence. Et puis, ça nous dit dans Psaume 45, 8, « c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu, t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. » Alors, il nous donne la supériorité dans la présence des autres lorsqu'on on se tient dans sa présence. Troisièmement, nous devons être des conseillers de paix si on veut avoir la joie. Vous savez, on vit dans un monde où le monde est agité, où est-ce qu'il y a beaucoup de violence. Et durant ces fêtes, proclamons la joie. Dans Proverbes 12, 20, ça nous dit « la joie est pour ceux qui conseillent la paix ». Quatrième chose, la puissance de sa grâce. Psaume 31, 8 nous dit « je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie ». Ça prend la grâce de Dieu. Durant ce temps de célébration, on peut être très heureux des choses qui se passent dans nos familles, dans notre entourage, mais ça prend vraiment la grâce réelle de Dieu pour être sérieusement et sincèrement dans la joie. Et le dernier point, pour garder notre joie, donnons ce que nous avons et non ce que nous n'avons pas. Vous savez, durant ce temps des fêtes, j'ai mentionné toutes les statistiques au début et comment les gens dépensent souvent beaucoup pour le temps des fêtes. Je vous encourage, le plus beau cadeau, c'est celui que vous faites avec votre cœur. Et puis si on donne avec joie, mais avec notre cœur, ça compte plus. Même si c'est une carte, même si c'est un petit cadeau, une fleur, n'importe quoi, si vous n'avez pas les moyens, endettez-vous pas durant ce temps des fêtes. Et Dieu va vous bénir, Dieu va vous faire prospérer parce que c'est son désir. Alors, je prie avec vous rapidement. Seigneur Jésus, merci que tu touches chaque personne à la maison maintenant. Remplis-la de ton Saint-Esprit et de ta joie. Soyez bénis et à la prochaine. De la part du staff du Centre Réveil International, on vous souhaite un joyeux Noël et bonne année 2016! Visitez le site web centrereveil.com pour participer à nos services en direct. Pour un don mensuel de 20 $ ou plus, devenez partenaire de l'émission Réveil et recevez le DVD du mois. Vous pouvez faire vos dons en ligne avec Visa et Mastercard ou un chèque par la poste. Et nous apprécions votre soutien. Lui, dans les champs, tout repose en paix. Mais soudain, dans l'air,